suis né, j'ai été nourri au biberon avec le champagne par les grands-parents, les parents, etc. Et bien entendu, cet investissement est pour moi tout à fait naturel. Mais c'est naturel de défendre, bien entendu, une région viticole, de défendre un art de vivre, de défendre un produit, de défendre une économie, puisque ce champagne fait vivre plusieurs dizaines de milliers de personnes directement ou indirectement. Et c'est tout à fait naturellement que j'ai créé ce sentier du vigneron, lancé l'idée déjà dans un premier temps, la concrétiser par rapport à un plan, trouver les partenaires pour m'aider, bien entendu, à monter ce concept tout à fait nouveau en Champagne, puisque ça n'existait dans les autres vignobles de France et du monde, mais ça n'existait pas en Champagne, de valoriser ce Champagne à travers sa vigne, à travers ses hommes, à travers son milieu naturel, à travers sa spécificité, à travers ses anecdotes, etc., et de le faire partager à tous les visiteurs qui acceptent gentiment, français et étrangers, mais une dominante, bien entendu, étrangère. Je pense que sur la planète, il n'y a pas un pays dans ce monde qui n'a pas passé à un individu ou à plusieurs individus un moment sur la terre champenoise à Mutigny pour découvrir ce vignoble. À Mutigny, donc nous sommes un petit village vigneron, Mutigny en Champagne, 230 habitants, tourné surtout autour de la viticulture. Quand on dit viticulture, champanisation bien entendu, et l'élaboration des vins de champagne, commercialisation. Nous avons sur le village de 35 viticulteurs, dont 5 qui élaborent leur propre production, c'est-à-dire leur propre champagne destiné à une consommation française et européenne. Donc notre village est situé en plein cœur du parc naturel de la montagne de Reims. Nous sommes à 30 km de Châlons-en-Champagne, 30 km de Reims et 8 km d'Épernay, connue comme la capitale du Champagne. Et bien entendu, nous bénéficions sur notre village de points de vue géographiques tout à fait exceptionnels qui nous permettent de dominer la vallée de la Marne et les villages champenois. Et nous avons bien entendu une vue sur le vignoble, une mer de vignes, une vue sur le vignoble tout à fait extraordinaire avec des points de vue tout à fait différenciés puisque nous voyons depuis Mutigny à 35-40 km en profondeur dans la vallée champenoise et nous bénéficions d'une vue sur 45 villages viticoles à partir de notre église et je pense que nous aurons le plaisir tout à l'heure de le découvrir. Nous avons créé et j'ai créé à Mutigny en 2000 avec une équipe qui s'est constituée depuis les années 97, le sentier du vigneron. Pourquoi le sentier du vigneron? C'est-à-dire une boucle pédestre didactique de 2,2 km qui permet à nos visiteurs de mieux comprendre le champagne, sa diversité, puisqu'il nous faut parler aujourd'hui non pas de champagne, mais des champagnes, puisque la champagne élabore une multitude de vins autour de cette appellation. Et cette boucle pédestre didactique nous permet de faire découvrir la diversité des paysages dans un premier temps, les cépages champenois, le travail des hommes, puisque bien entendu derrière une bouteille de champagne, il y a des générations d'hommes qui se sont succédés. La réussite d'une bouteille de champagne, c'est surtout 90% dépend de des conditions climatiques, du travail des hommes et bien entendu de la qualité du raisin. Cette année de sécheresse que nous subissons devrait nous permettre d'élaborer en 2010 et 2011 un vin d'exception. Donc la pousse de la vigne que nous avons là aujourd'hui et on va voir bien entendu les premiers raisins. Nous sommes face à un cépage pinot noir qui est la dominante de Mutigny puisque nous avons environ sur 105 hectares de vigne 80-85% de pinot noir et là nous sommes face à une présentation, on appelle ça en termes viticoles une montre, on montre les raisins, j'espère vous montrer d'ici dans quelques secondes ou dans quelques minutes les premières fleurs de vigne qui vont nous permettre bien entendu de transformer ça, les raisins en fruits et nous permettent d'avoir un vin apparemment qui sera d'exception en 2011, excusez-moi. Il
actuellement, nous avons trois cépages dominants qui existent en Champagne et qu'on cultive en Champagne. Le pinot noir que je viens de vous montrer à l'instant, le pinot meunier, je vais vous en présenter un peu plus haut du pinot meunier, et du chardonnay que je serai amené à vous présenter sur la vigne. Donc le cépage, bien entendu, c'est le terme cèpe, ça remonte à l'histoire ancestrale puisque c'est les Romains qui nous ont introduit, bien entendu, les premiers cépages en France et en Champagne, puisque c'est les Romains, et après ça a été repris par les abbayes qui ont aussi contribué à créer les conditions d'une élaboration, bien entendu, de ce champagne. Et aujourd'hui, nous avons trois cépages qui sont cultivés en Champagne et nous en avons six à notre disposition, dont trois qui ne sont pas pratiquement utilisés, puisque les conditions d'évolution climatique, les conditions de travail des hommes, les conditions de production et de productivité, les problèmes de maladie nous ont fait centrer 99,99% de notre activité sur les trois cépages qui sont la base de l'élaboration, bien entendu, des vins de champagne, puisque le vin de champagne est avant tout un assemblage de ces trois cépages. Les trois anciens cépages, c'était lesquels ? Pinot blanc, Arbane et Petit Mélier. Le champagne doit être soucieux de la préservation de l'environnement. Et j'ai ici, dans cette route de vigne, ce que nous appelons un rack, c'est-à-dire pour, bien entendu, utiliser le moins possible d'insecticides. Nous posons au cours du mois d'avril ce rack. Ce rack, c'est ce que nous appelons la confusion sexuelle. Ce qui nous permet, bien entendu, d'être un appât pour les mâles papillons, puisque ce rack envoie dans l'environnement et une odeur de femelle papillon et va attirer le mâle pour venir couvrir, bien entendu, non pas la femelle papillon, mais le rack, et empêcher, bien entendu, la production des papillons. Puisque les papillons avaient un rôle néfaste dans l'élaboration du champagne, les femelles papillons pondent à l'intérieur d'une grappe de raisin quand celle-ci sera fleurie, déposent leurs œufs dedans et, bien entendu, en allant que le raisin va évoluer, l'œuf de papillon va être coincé à l'intérieur de cette grappe de raisin et va créer un phénomène de pourriture qui est extrêmement néfaste pour les vins de champagne. Ici même, à 7-8 mètres de profondeur, nous avons la craie. La craie a un rôle prépondérant, bien entendu, dans l'élaboration du vin de champagne, dans la production du raisin. Les racines de vigne peuvent descendre jusqu'à 25 et 30 mètres de profondeur. Donc, elles vont puiser dans la craie l'eau et, bien entendu, les ressources nécessaires. Et la craie également nous sert de restituer dans les périodes froides la chaleur, emmagasine la chaleur dans les périodes chaudes et restitue notamment la nuit à la vigne la chaleur dont elle a besoin. Donc la craie est un vecteur extrêmement important de la réussite et de la pousse de la vigne et de la production de raisins. Sous nos pieds également, nous avons ici sur Mutigny un sol également qui est une pente. Et dans cette pente, bien entendu, nous avons de l'argile et nous avons, bien entendu, de la terre classique, surtout de l'argile et, bien entendu, un sol pierreux qui crée des difficultés pour que la vigne se développe, mais surtout qui restitue et qui nous permet d'avoir un raisin en production moins importante que sur des sols de plaine, mais qui nous permet, bien entendu, de produire un raisin riche en acidité, en azote, etc. Et ça, c'est un des points forts de notre viticulture. Tout à l'heure, je vous ai parlé, bien entendu, du vallonnement, et n'oublions pas que nous sommes dans une situation géographique à Mutigny tout à fait exceptionnelle, puisque nous sommes le village habité de Champagne le plus haut, c'est-à-dire nous sommes ici à 240 mètres d'altitude. Notre village est situé, bien entendu, entre vigne et forêt. La vigne au-dessus, en dessous de notre église et en dessous de notre village, un petit peu de vigne autour du village et surtout la forêt. Dans la forêt, bien entendu, nous parlons de la montagne de Reims. Et là, vous avez les premiers contreforts de la montagne de Reims derrière nous. Reims se situant à vol d'oiseau à une vingtaine de kilomètres. Derrière, bien entendu, ces monts que nous avons. Les monts nous permettent deux choses. En coteau, comme nous le voyons là-bas sur le village d'Avenay-Val d'Or, la vigne des vignes. Et bien entendu, au-dessus du coteau et en fin de coteau, bien entendu, la forêt qui nous préservons. En Champagne, nous avons un cépage champenois que nous appelons le pinot meunier. Donc le pinot meunier, voici une feuille de pinot meunier qui nous permet bien entendu de différencier. Pourquoi nous l'appelons pinot meunier ? Tout simplement, comme je suis en train de le faire,
je râpe un peu cette feuille de vigne. On voit tout de suite, on aperçoit tout de suite ici quelque chose de blanc, comme de la farine, qui au frottement sort de cette feuille de vigne. Et nos aînés, bien entendu, compte tenu de cette couleur blanche un peu farine, ont baptisé ce cépage Pinot Meunier. Ce cépage donc résiste à la gelée, résiste aussi au sol pauvre, résiste au sol humide, notamment à l'orée des bois. Le champagne, c'est avant tout un vin d'assemblage de trois cépages qui dominent en champagne, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Pinot meunier, c'est la puissance à l'intérieur d'une bouteille de champagne. Donc au niveau de la grappe de raisin, par rapport aux images que nous avons eues tout à l'heure, vous voyez que c'est la grappe, la proposition de grappe, la montre, bien entendu, comme nous disons, est légèrement différente, un peu moins longue, un peu plus concentrée. Mais croyez-moi, nous arrivons à faire avec ce raisin quelque chose de tout à fait exceptionnel. Cette pousse aujourd'hui, mi-mai, est la pousse que nous devrions trouver normalement vers le 20 juin. Donc nous avons pratiquement à la minute d'aujourd'hui, 4 semaines d'avance. Nous attendons la fleur de vigne dans quelques jours, voire dans quelques heures. Et nous aurons une vendange, non pas en septembre, vers le 20 septembre, mais on peut penser avoir une vendange autour du 25 août en 2011, ce qui est tout à fait du jamais vu, exceptionnel, du jamais vu, bien entendu, dans la culture de la vigne, qui est certainement le signe du réchauffement de la planète. On utilise beaucoup cette image chantier du vigneron, 2 km 2, dans notre communication aujourd'hui. Nous retravaillons maintenant en champagne le sol, c'est-à-dire que dans les années 70, nous avons inventé la non-culture, le phénomène de ne pas cultiver le sol, et avec, bien entendu, une utilisation sur le sol des désherbants. Désherbants qu'on ne surutilisait pas, bien entendu, mais qu'on utilisait quand même, qui peuvent poser des problèmes de l'eau, des problèmes dans les nappes phréatiques, dans les problèmes de ruissellement, etc. Et on a, depuis 4 ou 5 ans maintenant, on retravaille le sol de vigne, comme vous le voyez là, on retravaille la terre, bien entendu, avec deux idées, bien entendu, importantes. Le travail du sol, c'est avant tout l'herbe, lutter contre l'herbe, mais malgré que l'herbe n'est pas néfaste à la culture de la vigne, mais le travail du sol nous permet également de créer les conditions que l'eau de puits, et notamment l'eau des orages, rentre à l'intérieur de cette terre, s'imprègne et descende bien entendu dans le sol, et ce qui nous empêche bien entendu d'avoir des problèmes très graves que nous avons compte tenu des vallons, des problèmes de ruissellement et d'écoulement de ces eaux. Sur ce sentier du vigneron, nous avons réintroduit ici le rosier avec des roses rouges magnifiques. Donc nos aînés, à la sortie des routes de vigne, mettaient quelques rosiers. Les rosiers, pour eux, avaient pour but d'être informés préalablement de s'il y allait y avoir de l'odium et du mildiou. Odium et mildiou sont les deux maladies, bien entendu, que l'on retrouve dans notre viticulture. Selon les conditions climatiques, selon l'humidité ambiante, selon le sol, l'humidité du sol, on peut retrouver régulièrement ces deux maladies. Pour l'instant, nous ne les avons pas. Le problème, c'est que l'odium et le mildiou du rosier sont totalement différents de l'odium et du mildiou de la vigne. Donc, c'est après que nous nous en sommes aperçus, bien entendu, avec la recherche et l'évolution du savoir des hommes. Mais le rosier reste quand même en viticulture synonyme de qualité, de beauté, etc. Et aujourd'hui, le rosier est redevenu ce qu'il a toujours, il aurait dû toujours être, c'est-à-dire un élément de décoration. Le chardonnay, nous l'avons juste en face de nous ici, à travers le fond de vallon et bien entendu la côte des Blancs, qui nous permet d'élaborer, de produire ce chardonnay qui, dans l'élaboration du vin de champagne, nous apporte la légèreté et surtout des arômes florals. Nos visiteurs peuvent, à travers cette cartographie, voir l'aire de production, les aires de production de ces trois cépages. Le chardonnay, c'est 27% de la surface de la champagne, de l'aire d'appellation. Le pinot noir, c'est 38%. Et la dominante en production, bien entendu, c'est le pinot meunier qui est à 35%. Donc les trois cépages, comme je vous le disais tout à l'heure, nous produisent 99,99% de la production de champagne. Et bien entendu, j'insiste,
Le vin de Champagne est avant tout un vin d'assemblage de ces trois cépages. Sur chaque panneau, bien entendu, nous avons mis un petit dicton, puisque nous héritons de nos anciens des dictons. Et ce dicton, là, aujourd'hui, c'est « Taïto Taïtar, rien ne vaut la taille de Mars », comme nous disons dans notre jargon champenois, la taille de Mars. Pourquoi que rien ne vaut la taille de Mars? Puisque plus on taille tard, moins on amène une concentration de sève, notamment dans les périodes chaudes comme celles que nous venons de vivre, dans les bourgeons que nous avons sélectionnés pour produire, bien entendu, les rameaux et les raisins de l'année. Une autre façon, bien entendu, de lutter contre l'érosion des sols et pour utiliser le moins de désherbants possible et imaginable, on met dans les vignes, on roule dans les routes de vignes, ces copeaux. Les copeaux qui sont bien entendu des écorces de forêt de bois traitées, tricultivées, et ça nous permet de lutter contre l'érosion et cette année surtout contre la sécheresse. L'image de la Champagne, notre force, notre vitalité, notre raison de vivre est de faire des vins d'assemblage et non pas des vins de cépage. D'accord. Alors on fait quelques vins de cépage qui répondent à une attente de la clientèle. Des vins blancs, du champagne bien entendu, issus uniquement de chardonnay, des champagnes issus uniquement de pinot noir, ce qu'on appelle des blancs de noir, le chardonnay étant un blanc de blanc dans notre jargon, que vous trouvez en bouteille, hein, donc un blanc de blanc, raisin blanc à 100%, blanc de noir, souvent pinot noir à 100%, et pinot meunier, bouteille de pinot meunier. Pour équilibrer entre la fleur du chardonnay, le vineux du pinot noir et la force du pinot meunier, on équilibre bien entendu à travers ces trois cépages. Mais on équilibre également à travers la diversité des crus. C'est-à-dire un cru, c'est un village viticole proprement dit. Donc chaque village viticole fait partie d'un cru dans une échelle de valeur des raisins que nous appelons l'échelle des crus, qui détermine la qualité du raisin par rapport à son ensoleillement, par rapport à sa pluviométrie, par rapport à la qualité des sols, à travers un vin d'Ailly, un vin de Mutigny, ou un vin d'Épernay, ou un vin de la Côte des Blancs de Wari, nous avons une diversité, nous avons un panel de goûts totalement différent. En fonction de là où sont placées ces vignes, on réassemble aussi la qualité de ces différents crus. Le viticulteur, en général, dispose de vignes dans un ensemble de villages, donc de crus différents. Et la force, bien entendu, que nous devons avoir, c'est d'avoir une continuité. C'est-à-dire que si je bois un champagne de 1999 ou un champagne de 2006 ou un champagne de 2010 ou un champagne de 2020 ou de 2030, quand j'ouvre cette bouteille de champagne au niveau notamment des brutes, c'est-à-dire des bouteilles standards présentées sur le marché, je dois toujours avoir le même goût. Donc pour retrouver toujours le même goût, ce que le négociant, le viticulteur, qu'est-ce qu'il fait? Il garde surtout également des vins de réserve qui lui permettent de corriger les défauts d'une année trop de sucre, pas assez de sucre, trop d'acidité, pas assez d'acidité, une année pluvieuse, un manque de puissance en matière. Alors là, nous avons une autre méthode culturelle de lutte contre l'érosion, c'est l'enherbement. Donc là, vous avez une parcelle de vigne qui est enherbée. Le territoire du village, les 105 hectares de vignes, ont leur propre nom et chaque secteur a un nom de baptême qui a été attribué depuis longtemps. Et là, nous sommes dans le secteur où nos aînés ont appelé ça le secteur Beauregard. Beauregard. Et donc, pourquoi Beauregard? Parce que, bien entendu, on a une dominante sur Ailly Champagne que nous trouvons ici, qui est le cœur historique du vignoble champenois. Au fond, là-bas, de Vallée, nous avons Épernay, et nous avons, bien entendu, la vue sur la Côte des Blancs, et on peut y compris voir là-bas Châlons-en-Champagne. La vigne, avant tout, c'est une liane, c'est une plante vivace. Donc, on va, bien entendu, dans les prochains jours, ce que nous appelons essimer, c'est-à-dire couper les rameaux de vigne à une hauteur d'environ d'1,20 m à 1,50 m pour que la nourriture de la vigne nourrisse non pas le feuillage ou la pousse de vigne, mais nourrisse avant tout les raisins. Et également, pour le long des routes de vigne qui sont espacées d'1 m,
couper les rameaux, ces rameaux-là, les couper, pour que, bien entendu, il y ait une concentration de toute l'activité, de toute la vitalité de la vigne, uniquement sur les raisins. Donc là, on est dans la saisonnalité, donc on présente à travers ce panneau la vie de la vigne et le travail des hommes, puisque, bien entendu, la vigne vit 12 mois par an et les hommes travaillent 12 mois par an. Donc la vie de la vigne commence, si on regarde bien, pour nous, dans ce tableau, au mois de mars, puisque au mois de mars, nous sommes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en période de taille, puis d'arrachage ou de lirer de la vigne. Donc taille, on donne un sens à la vigne, c'est-à-dire qu'on ne permet pas à la vigne de se développer d'une manière anarchique, et on donne les conditions à travers la taille de vigne, on donne ce qu'on appelle le sens de la production de raisins, le sens de la vitalité de la vigne et faire qu'une vigne vive entre 30 et 35 ans. Au mois de mars, on taille la vigne et on lie la vigne, c'est-à-dire qu'on attache les sarments de vigne qui vont porter le raisin sur un fil qu'on appelle un fil lieur et qui permet de préserver la vigne, bien entendu, des vents. Au mois d'avril, on plante les jeunes vignes, c'est la période où on régénère notre vignoble. En période de mai, comme la période que nous vivons actuellement, mais compte tenu que nous sommes en avance, c'est une période qu'on dédie à l'ébourgeonnage et à l'épomprage, c'est-à-dire ébourgeonnage, retirer sur la souche mère de la vigne des rameaux de vigne qui, bien entendu, n'ont pas lieu d'exister, qui vont soit produire des raisins d'une manière trop importante, soit absorber de la vitalité de la sève, de la nourriture à la vigne qui n'a pas besoin d'exister. Donc on ébourgeonne ou on épompre, épomprer c'est retirer un certain nombre de rameaux du cep de vigne qui apparaissent naturellement. Le relevage, c'est la période, les vues qu'on vient de voir et que je viens de vous expliquer. Et c'est la floraison, la fleur fécondée se transforme en fruit. Juillet-août, le rognage, c'est-à-dire pas permettre à la vigne de se développer compte tenu que c'est une liane, sinon on aura un développement anarchique. Septembre-octobre, c'est la période traditionnelle des vendanges qui, d'une manière exceptionnelle cette année, sera bien entendu au mois d'août. Et enfin, novembre, c'est le début du repos végétatif, puisque la vigne, entre novembre et mars, va se reposer. Le mois de novembre nous sert à l'amendement, l'arrachage des vieilles vignes, et nous permet aussi de faire un travail qu'on appelle le pré-taillage, c'est-à-dire de couper les rameaux de vigne existants pour préparer l'année qui suit, les couper à demi-hauteur pour gagner quelques temps, bien entendu, dans le travail de la taille. Nous avons un des plus beaux points de vue de la Champagne. Nous pouvons, à partir de ce point de vue, déjà voir 45 clochers dont une majorité viticole, puisque nous avons la diversité des paysages de Champagne, avec les vallons bien entendu qu'on appelle des monts. Ici nous sommes sur Mutigny, en latin c'était Mont Inis, donc Mont de Feu, et à partir de cette situation et à partir d'ici, nos aînés communiquaient notamment sur les invasions par le feu, puisque nous avons en face de nous le Mont Aigu, le Mont Aimé, le Mont Vernon, etc. Donc nous avons des noms de monts et on sait maintenant pertinemment que nos aînés, nos aïeux plus exactement, communiquaient par le feu et cette communication par le feu notamment pour se préserver des invasions. La configuration française fait que nos communes se regroupent pour trouver des synergies, des moyens de travailler ensemble, d'investir sur l'avenir et notamment au niveau touristique. Nous avons déposé depuis quelques années à l'UNESCO une demande de classement du vignoble et bien entendu l'UNESCO ne peut pas classer l'intégralité des 33 000 hectares de Champagne. La demande de classement à l'UNESCO fait que nous sommes ici les pieds dedans puisque nous demandons le classement du vignoble historique qui va aller de Hautvillers à quelques kilomètres d'ici en passant par Dizy, Champillon, Mareuil-sur-Ailly, Ailly et Mutigny. Donc sur cette idée de préservation de l'environnement, nous intervenons sur beaucoup de choses. En tant que collectivité territoriale, nous sommes en train de créer avec les viticulteurs des associations syndicales autorisées. On appelle ça dans notre jargon des ASA,
Les ASA, c'est un groupement de viticulteurs autour des collectivités, autour des communes, pour traiter un des problèmes importants, qui est le problème de l'hydraulique du vignoble, c'est-à-dire l'eau de pluie, l'eau des orages, qui arrive des fois et très souvent d'une manière très importante, et qui a une tendance à ruisseler vers les points bas et de noyer, comme en 1999, les communes dans les parties basses. Nous avons aussi le réseau Magistère, c'est-à-dire un réseau qui travaille sur du long terme, du très long terme, je dirais, un réseau qui suit avec des ingénieurs agronomes, qui va suivre l'évolution végétative d'une vigne au cours de sa vie et qui va rentrer ces données dans l'informatique pour bien entendu les stocker. Et on va comme ça pouvoir suivre l'évolution végétative, le nombre de raisins, de kilos de raisins produits, la qualité des raisins, et de nous permettre à nous viticulteurs de choisir le cépage le plus approprié, le porte-greffe, les amendements, etc. etc. Et enfin, je soulignerai ici le dicton qui s'ensoleille pour Noël, pour pas que ce gèle. C'est le Pâques au balcon, Noël au tison que nous avons donné en termes champenois, bien entendu. Il n'y a pas de technique là, enfin si, il y a une technique, mais c'est l'équilibre du tonneau qui consiste à le laisser incliner. Et bon, mais c'est à la longue, on apprend. Et c'est à force de manipuler le tonneau qu'on arrive à faire. Donc maintenant, il y a très peu de professionnels, là, à part quelques grandes maisons qui roulent encore beaucoup les tonneaux. Ça se faisait en fait. Oui, dans le temps, ça se faisait beaucoup. Hein. J'ai pas entendu. Mais en fait, j'imagine que c'est pas plein. Ah mais non. Non mais quand on peut le rouler plein, mais on le roule à plat. D'accord. Hein, on le roule comme quand, vous avez vu quand il tombe. Excusez, je suis un peu essoufflé là. Allez, vous voulez le top d'hectare, vous êtes donné. C'est passé, c'est difficile. Oui, assez difficile. Alors, vous cherchez le professionnel. Et assez, la chaleur, les gens qui crient. Oh, ok, yeah, it's very hot.